Salut les budgétaires et les budgéteuses, bienvenue sur ma chaîne Mel Budget où on fait son budget avec la méthode des enveloppes pour faire un max d'économies et aussi j'arrondis mes fins de mois avec une application qui s'appelle Shopopop. Donc je vais vous en parler et on va répartir mes gains ensemble dans les défis parce que à la majorité absolue dans la dernière vidéo, je vous ai demandé ce que vous préfériez, est-ce que je fais ça en même temps que mon bilan de la semaine ou est-ce que je fais une petite vidéo bonus. Tout le monde a dit on veut des vidéos bonus. OK, ça marche. Chose promise, chose due, je fais la vidéo Shopopop. Et aussi, on m'avait demandé si je pouvais faire une vidéo explicative sur les applis que j'utilise. Donc, je pense que je vais ne pas faire une vidéo que sur les applications. Mais quand je vais décagnoter une application, je vais vous en parler. Donc là, j'ai écrit des petites choses sur Shopopop pour pouvoir vous en parler. Donc, l'argent de Shopopop, il est là. Je garde le suspense dans ma belle enveloppe banque que Sandrine m'a offert. Donc, quand l'application, vous allez dans votre Play Store ou votre Apple Store, selon votre téléphone, et donc, vous rentrez Shopopop, je vous mettrai la petite effigie, le petit logo de la marque. Et moi, j'ai un code de parrainage qui est dans la barre d'infos avec un O à la fin et pas un 0 ou un 0 à la fin et pas un O, mais c'est écrit dans la barre d'infos, je ne me souviens plus. Et vous pouvez gagner 5 € après votre première livraison et moi aussi, je peux gagner 5 € après, enfin une fois que vous avez utilisé mon code de parrainage et fait une livraison. Et après, vous pouvez donner votre code de parrainage à des potes, à des gens pour qu'ils puissent aussi arrondir leur fin de mois. Donc, j'ai des abonnés qui me disent « Ouais, moi, il n'y a rien avec Shopopop dans ma région ou alors c'est trop loin et tout ça. » Moi, j'avoue, sur le Havre, dans la région havraise, ça marche très, très bien Shopopop. Et l'autre application Hyper Shopper aussi, j'en parlerai quand je décanoterai Hyper Shopper, marche aussi pas mal sur le Havre. Donc, j'ai plutôt de la chance. Donc, voilà. Et à l'inscription, donc ne soyez pas étonnés, ils vous demandent de renseigner vos coordonnées bancaires, votre IBAN, machin et tout ça. C'est une sécurité pour eux parce que pour éviter que les gens aillent chercher les courses des autres ou les fleurs des autres et les gardent pour eux. Donc si l'application a les coordonnées bancaires, c'est que si vous ne livrez pas, eh ben, ils vous débitent. Voilà. Mais ça n'arrive, moi, ça ne m'est jamais arrivé parce que j'ai toujours, je joue le jeu, quoi. Je vais chercher les fleurs, je les livre à la personne. Mais c'est juste une sécurité pour eux parce que j'ai eu des abonnés qui m'ont dit, ah, j'ai tiqué quand ils m'ont demandé mes coordonnées bancaires, ça m'a fait peur et tout. Donc, non, vous inquiétez pas, c'est juste, alors que Hyper Shopper, eux, ils ont des problèmes parce qu'ils ne demandent pas les coordonnées bancaires. Donc, parfois, quand je vais à Electrodépôt chercher un truc, je galère, il faut que je donne ma petite identité, machin et tout. Puis, ils mettent plus de jours à valider votre livraison parce qu'ils vérifient que vous avez bien effectué la livraison. Mais ouais, Hyper Shopper, il y a eu pas mal de problèmes, on m'avait dit. Donc, voilà. Ensuite, quand vous avez l'application, vous mettez bien, je vais vous mettre la capture, vos trajets réguliers, vous pouvez en mettre jusqu'à 5, donc je vous conseille d'en mettre jusqu'à 5. Moi, ne travaillant pas, j'ai mis les trajets que je fais souvent, donc comme je vais souvent chez Action, j'ai mis le Clear Drive qui est à côté d'Action, j'ai mis mon Carrefour Market qui est en bas de chez moi, j'ai mis les 3 magasins de fleurs qui sont dans la ville du Havre, et puis je crois que c'est tout, voilà. Et comme ça, et vous activez les notifications, comme ça, ils vous notifient quand il y a une livraison, mais pas que. Moi, la majorité des livraisons que je prends, je les prends en allant sur l'application de moi-même, je vais faire un petit tour, je rafraîchis la page et je trouve des livraisons comme ça. Parce qu'ils n'envoient pas tout le temps les notifications, vu qu'il y a beaucoup de shoppers. Donc, ils partagent en fait, ils partagent les livraisons. Donc voilà. Ensuite, vous ne vous faites pas avoir comme moi au début. Si vous n'avez pas beaucoup de force et de cardio, on vous montre le nombre d'étages, s'il y a un ascenseur, ou alors ça peut être précisé par écrit par la personne qui a commandé. Le volume de la livraison, donc ça peut être moins de 60 euros, de 60 à 120 euros, de 120 à 200 euros, là ça commence à être costaud, de 200 à 300 euros,
C'est très costaud. Et de plus de 300 euros, c'est très costaud. Et on vous dit aussi le nombre de packs. Donc, 1 à 3 packs, 3 à 6 packs. Et parfois, ce n'est pas des packs, c'est juste des sacs avec des bouteilles de coca. Mais bon, ils considèrent que ça fait un pack. Donc, voilà. Mince, j'ai oublié de vous dire autre chose. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Donc voilà, moi avec le Clear Drive, je peux prendre deux drives par à la fois. Donc ça fait un trajet pour le prix de deux drives. On est souvent payé entre 5 et 7 euros. Mais plus on approche l'heure de la fin de la livraison, plus la livraison elle est majorée. Donc là j'ai touché deux fois, une fois une livraison à 10 euros, une fois une livraison à 15 euros. J'ai juste monté deux étages. C'est les seules fois où j'ai pris des étages, sinon je prends que des rez-de-chaussée pour l'instant. Et j'en trouve pas mal, donc bah, c'est cool. Il y a eu la fête des mères, donc la fête des mères c'est la folie, on a le droit de prendre jusqu'à 5 livraisons de fleurs. J'en ai fait 5 le matin, une le midi, 4 le soir. Donc là j'ai bien boosté ma cagnotte. Et les fleurs c'est 4,50 € la course, selon la distance ça peut être un peu plus. Donc voilà. Et puis, quoi dire d'autre? Et oui, il y a moins de livraison aussi le week-end et pendant les vacances scolaires puisqu'il y a plus de shoppers. Donc, bah, plus on est, plus ils partagent en fait. Et plus vous en faites de livraison, plus ils vous modèrent pour pouvoir partager avec les autres, ce qui est tout à fait normal. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc voilà. Donc un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'application Shopopop. Mais malgré les vacances scolaires qu'il y a eu là, des livraisons que j'ai pas faites parce que je regardais Roland Garros. Le fait que je fasse plutôt des livraisons le matin et de temps en temps j'en prends une le soir, voilà. J'ai réussi à me faire, attention, 187. Attends, attendez. 100, de toute façon, je mettrai la capture. 188,70 €. Non! 208,70 €. Oh là là, j'ai du mal. Et ils vous font le virement. Donc moi j'ai décagnotté vendredi. J'ai pas encore reçu sur mon livret, mais comme j'avais des sous de mes épargnes à remettre en banque, j'ai pu tout prendre. Je vais vous expliquer. Et ils vous font le virement assez rapidement. Ils disent entre 5 et 7 jours ouvrés, mais en général, c'est plus rapide. Donc voilà. Donc là-dedans, il y a 205 euros. J'ai laissé sur mon compte bah, les 3,70 € là. Et du coup, comme j'ai fait 63 euros de course, je me suis un peu lâchée parce que on ne sait pas quelle saison il fait. Alors, est-ce que j'achète des salades ou est-ce que j'achète du chaud? Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Donc voilà, ouais, c'est ça. Gain Shopopop. J'aurais dû mettre un S, bravo maîtresse. 208,70 €. Je laissais 3,70 € sur le compte. Ça va compenser les 3 euros que j'ai fait de course en plus. Vous verrez ça au bilan. Et je vais mettre 205 euros dans les défis. Alors, est-ce que je mets 205 euros aujourd'hui dans les défis ou alors que je mets que 155 et je me garde 50 euros pour le bilan pour pouvoir kiffer un peu plus le bilan. Donc, vous savez que Pierre, je vous en avais déjà parlé, Pierre Garnier, le gagnant de la Star Academy passe au Havre, donc j'avais acheté ma place en ligne. On a galéré pour avoir la place, non mais ça m'étonne pas, parce que Virginie qui m'a dit sur Insta, merci beaucoup, qu'il passait en 50 minutes inside samedi dernier, donc je regarde, le mec, il a vendu l'Olympia en 2 minutes, il n'y avait plus de place. Donc tu m'étonnes qu'on a galéré à trouver des places. Donc finalement, ma mère, la fille de sa copine et moi, on y va, on a trouvé des places, mais chacune a réparti dans la salle, pas ensemble. Donc du coup, je me suis remboursée, j'ai fait un échange de billets de 5 dans mon porte-monnaie. J'avais isolé deux billets de 5 et je les ai pris. Donc j'ai 60 euros ici. Donc cet argent-là, je l'ai pris dans l'enveloppe mail. Qui était en cash et que je devais remettre en banque, mais finalement je ne vais pas le remettre en banque, je vais le laisser sur mon compte pour me rembourser ma place. Ensuite, quand on a su qu'on avait la place, moi j'avais déjà précommandé mon CD de Pierre, donc maintenant les livraisons ça va être avec Pierre Garnier à fond les ballons dans la voiture. Et ma mère elle m'a demandé quand je suis allée chercher le CD à la Fnac, est-ce que tu peux me prendre le mien? Et puis samedi, quand j'ai été voir le concert avec elle le soir, on a fait un petit apéro dînatoire et on s'est refait le concert, elle m'a remboursé le CD qui était à 15 euros. Donc voilà.
Ensuite, il me restait 40 € dans ma provision mail. Donc là, j'ai mis que je devrais faire un virement. Quand j'aurai les sous de Shopopop, je ferai un virement de 40 € vers la provision mail. Donc voilà. Donc là, il y a 40. Attendez, on va les ranger bien. Et il me restait 90 € dans la provision épargne long terme. Donc je provisionne pour les épargnes de 2025. Donc je ferai un virement de 90 €. Donc j'ai tout noté là. Je vais me laisser mes petits post-it. Hop. Et j'ai trouvé ça trop bien en fait. Le tracker de Marion Budget Family, il rentre nickel dans ma pochette banque. Et puis vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Bibi, c'est moi. En fait, je me suis entraînée à faire des défis pour faire plaisir à quelques copines. Et je me suis dit, pourquoi pas, quand je kiffe un truc, maintenant que j'ai appris, bon, il y a rien de folichon, hein, c'est pas des défis de fou. Maintenant que j'ai appris, je vais faire un de mes défis par mois, en fonction de ce qui me fait kiffer pendant le mois et tout ça. Donc là, c'est Bridgerton parce que j'attends vendredi la suite de la saison de Bridgerton, l'amourette entre l'amourette, le grand amour même, entre Colline et Pénélope. Donc, je recompte avec vous, mais normalement, il y a 205. Hein. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et 5. Donc 205 € à répartir. Donc je me mets de côté 50 pour voir si, à voir si je le garde pour le bilan. Voilà. Alors, on commence. Donc j'ai fini mon livre Reminders of Him de Colleen Hoover. Encore un livre de Colleen Hoover que j'ai adoré. Trop bien. Donc, je vous mettrai la capture de la. Comment ça s'appelle? De la couverture. Si ça vous intéresse de le lire. Moi, je l'avais emprunté à la bibliothèque, donc je ne l'ai plus là. Je les ai rendus vendredi. Je vais les rendre vendredi. Donc voilà, ouais, vendredi, j'ai fait bibliothèque. Je les ai déposés dans la boîte à livres. Deux livraisons en rez-de-chaussée. Je suis allée à la Fnac chercher les CD et je suis rentrée. Et puis voilà. Donc, comme je sais que ce n'est pas forcément des chiffres ronds pour l'instant, je ne vais pas gratter Agnès. Par contre, on va remplir mon défi lecture. J'ai 4 € à mettre. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose? Alors, mince, 2, 4, 5. Maintenant, je ne peux pas récupérer. C'est nul. J'ai 4 € à mettre. Ah bah si, je vais mettre un billet de 5 et je vais récupérer une pièce de 1. Oui, parce que je veux récupérer les pièces pour pouvoir faire d'autres défis. Je vais récupérer de la ferraille, comme tu vas plutôt. Alors, attendez, il est où mon feutre? Voilà. Alors, j'ai lu un livre. Donc, j'en suis donc à 48. Et évidemment, je n'ai rien préparé. Je n'ai rien préparé. Alors, est-ce que vous êtes cadré? Hop. Voilà, sinon j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai regardé la finale de Roland-Garros, j'étais au bout du rouleau, ça durait trop longtemps. Et comme on a pris l'apéro dînatoire et regardé le concert de la Starac la veille, j'ai dormi chez mes parents et le dimanche j'étais en PLS. Le lundi matin j'ai fait le comment dire, le masque Hangover Recovery d'Agnès, vu qu'on a bu, j'ai bu un petit coup. Allez, on va mettre 10 € dans la 5e semaine, comme ça va le faire avancer. Surtout que Angeline, elle a sorti ses défis, elle les a mis sur son drive. Donc là, j'ai pas pris ses cartes à gratter parce que c'est des gros montants, je les prendrai à partir de janvier. Mais là, à partir de juillet, je vais faire ces petites cartes à 15 €. Donc, je les ai trouvées trop belles, j'ai des petits cocktails, donc voilà. Donc, je les ai pas encore plastifiés, j'ai acheté chez Action, mais je vais vous faire normalement la vidéo bonus de la semaine prochaine. Ce sera une petite face cam avec tous les achats que j'ai fait ce mois-ci. Donc voilà. Donc 10 € on passe à 50. Et c'est pour un budget de 80, vu que moi je suis toute seule. Donc je prends un peu d'avance, c'est pas mal. C'est pas mal. On va tout touiller. Voilà. Hop. Ensuite, où est-ce qu'on peut récupérer de la piécette? Est-ce qu'on peut récupérer de la piécette? Maintenant, j'ai mis 12. Si je mets 6, non, non. Pour l'instant, pas possible. Ici, mets le budget.
Il y a 3 euros. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai un 7? Oui, j'ai un 7! Yes! Cool! J'ai pas encore décidé mes budgets. Je pense que ça ira dans mes épargnes long terme. Donc, je vais mettre 7. Et donc, je récupère les 3 et je mets un billet de 10. Comment récupérer de la ferraille? Et je barre le G. C'est le G de Mel. De Mel Budget. Je l'adore, mon défi. En rose. Donc, on en est à 20. Avec le beau cœur d'Aurélie. Cœur, ma belle. Merci pour tous tes beaux défis que tu m'as envoyés. Donc, voilà. Ensuite, Betty, comme c'est pour remplir mon fonds d'urgence, je vais la finir. Et bon, la fête de la musique, c'est le 21. Mais moi, je suis pas hyper fan vu qu'il y a la foule et tout. Puis, je suis un peu... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je suis un peu pas agoraphobe, mais j'aime pas trop la foule et la musique à donf. Sauf pour les concerts de la Starac. Donc, voilà. Donc, Betty, c'est fait. Le défi flash, petit spoil pour le bilan que moi, je tournerai demain. Je n'y ai pas touché. Je n'y ai pas touché. Alors, par contre, du coup, c'est ici. J'ai mis Bibi parce que ça m'arrange. Comme Betty et j'ai fait, moi, mais les défis que j'ai fait pour Natou et pour la fille de Pamela, vous verrez dans sa vidéo de vendredi. Je sais pas si elle va le montrer. J'ai fait un défi à 30 euros. Et du coup, je veux mettre 5, comme je veux mettre, je veux provisionner 50 euros grâce à mes défis dans mon fonds d'urgence. Bah, je voulais un défi à 30 euros. Donc, à la base, j'avais décidé de faire, de répéter plusieurs fois le défi Girl Power. Mais je me dis, je le remettrai au mois de mars pour quand ce sera la journée de la femme. Mais je vais récupérer les sous fictifs de Iléna. J'avais déjà réussi à mettre 60. Ah oui, c'était pour la fête des pères. Donc j'enlève pour l'instant l'enveloppe d'Iléna. Je la remettrai en temps voulu. Et je vais mettre mes 10 euros dans mon défi à moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est tout. C'est tout. Et du coup, je crois qu'on va remettre 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais prendre un billet de 20. Voilà. Comme ça, mon fonds d'urgence, j'ai déjà provisionné 40 euros. Il me resterait 10 euros à mettre. Vas-y, tuto. Je suis où, moi? Ah, bah, je suis là. Ah oui, puis donc, du coup, je me suis déjà préparé le défi pour le mois d'après. Donc, ça va être la Coupe d'Europe. Moi, je suis une fan de sport de canapé. Donc, je me suis fait un défi Coupe d'Europe. Et je me suis fait un défi JO parce que je suis trop fan des JO. D'ailleurs, la Flamme Olympique, elle vient au Havre le 5 juillet. Je suis trop contente. Et je crois qu'elle passe devant chez mes parents, donc ça va être trop bien. Et je me suis fait un défi gymnastique parce que j'adore la gym et j'ai trouvé l'image trop belle. Donc voilà, je n'ai pas plastifié encore. Donc voilà mes 3 prochains défis. Donc je ne me mets pas dans la création de défis, hein. Je fais juste ça pour le kiff, pour remplir mon fonds d'urgence. Après, je les ai en photo ou en PDF sur mon ordinateur si vous voulez. S'il y en a qui le veulent, je vous l'envoie par mail ou par MP sans problème. Non, blush, non, pas tout de suite. Je suis où? Allez, où? J'en ai marre de moi. Bah oui, je préfère que tu les ranges dans ta petite boîte. Je vais ranger tout ça après. Et si je me motive, je vais plastifier. Bon, quoi, j'ai le temps, c'est pour le mois de juillet. Non, je ne vais pas me motiver. Je vais faire autre chose. Je vais sûrement regarder un petit peu New Amsterdam. Là, il est midi par là. Et je suis barrée dans New Amsterdam. Et comme après, j'ai le remplaçant à regarder. Enfin bon, j'ai d'autres séries à regarder. J'avance New Amsterdam. Et j'ai commencé mon nouveau livre, donc c'est mince. Donc, Don't Let Me Down, j'adore. Pour l'instant, j'adore, hein, sans faute. Donc, le 2024, on va l'avancer un peu. Alors, combien j'ai mis là-dedans? On va mettre 10. Comme ça, il ne me restera plus que 4 euros à mettre. Alors, en juin, bonus, plus 10.
Bon ben, euro. Plus vite c'est fini, plus vite on peut faire les défis fun. Celui-là, je pense pas que je le reprendrai l'année prochaine parce qu'il faudra que je rachète le 2025. Donc, par contre, j'ai changé d'avis. Je garde le défi des. Vous allez voir. Je garde le défi des jours fériés. En fait, je veux le garder. Oh, 4! Non, mais j'ai pas triché, hein! Ah, j'ai trop cool! Cool! Alors, mon gratte-gratte. Eh, j'ai pas triché cette fois! Un chiffre rond, s'il te plaît, parce que j'ai pas trop de ferraille. Alors, combien? Et jusqu'au bout, je vous laisse le suspense. 5 euros! Allez! 5 euros. J'espère que j'ai un billet de 5 à récupérer parce que les deux billets de 5, je sais qu'il me manque que 10 euros pour faire une liasse. S'il te plaît, Céline. Oui! Cool! Hop! Et donc, il me restera un niveau pour le niveau 4. Oui, moi je ne note pas, je sais, je ne note pas. Allez, on va se faire un petit tranquillou. J'essaie de cadrer en même temps. Ouh là, il y a moyen de récupérer de la piécette, on va voir. Alors, 2 et 1, 3 euros. Bah non, on va en dépenser de la piécette. Bah non, bon, 3 euros, donc je récupère 2 et je mets un billet de 5. On est d'accord? Donc, en tout, j'ai 7, c'est ça. 7. Et donc, je vais écrire 7, là. Ça va, j'oublie pas de corriger, là. Ça y est, j'ai pris le pli. 7 euros. OK. Ensuite, Elodie, de Bye Bye Découvert, dans son petit tiramisu, on va essayer de récupérer de la pièce 7 aussi. Comment j'ai en pièces? 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, je vais finir qu'avec des pièces. Donc j'ai 2 euros, si je mets, on va mettre 8, donc 3, 4, 5, 6, 6, 7 et 8, comme ça, je crois que je vais l'arrêter à 8, parce que 13, ou alors je laisserai les 3 euros, vu que c'est pour nourrir mes ogres. Pourquoi j'ai que 2 euros à récupérer? Bah oui, j'ai mis 8. Je vais mettre 8 moins 2, ça fait 8 moins, 10 moins 8, ça fait 2. Donc j'en suis à 20 même. Oh, c'est parce que je cumule en fait. 20. Il faudra des goûters avec mes neveux cet été. J'espère qu'ils vont venir. Ah, cool, je vais pouvoir faire le défi d'Elodie de vers l'infini budget. Oh, j'ai oublié de ranger le tranquillou. Tranquillou, peut-être qu'on reviendra faire un petit tour dans le tranquillou tout à l'heure, on verra. Donc, Elodie, c'est fait. Elodie de Bye Bye de vers l'infini budget. Allez, on lance. Et on va voir sur combien je vais tomber. Il est trop beau. 3. Donc, le 3 est là. Donc, je vais mettre 3 euros. Et voilà, j'ai commencé. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Oh! Du mal, on verra peut-être y faire un petit tour. Celui-là, je l'ai fait au budget et jour férié, je l'ai mis. Donc, du coup, vous avez vu, j'ai utilisé le sticker doré et j'ai mis la fête nationale. Mais on le fera que au moment de la fête nationale. Tiens, comme on a pas mal de piécettes, donc on va faire le deuxième classeur et on verra si on revient à celui-là après. Comme on a pas mal de piécettes, on va se faire une petite copine budgéteuse obligée. Donc, j'ai 2 euros. Je vais essayer de me trouver. Je récupère toute la ferraille. Je vais essayer de trouver une copine à 18. Alors, qui est-ce qui a 18 euros? Qui a 18 lettres? Bah, ma pomme! Ma petite pomme d'amour! Mon petit coup de cœur. Ma petite chérie. Parfait. Tac. Donc, je mets 20. Bah, je vais mettre le billet, tiens. Le billet de 20. Et je veux faire les grosses sommes, mais je pense que ça, ce sera pour mon fonds de sécurité sur mon livret A. Voilà. Ah, on va gratter Linda. Normalement, je le gratte au bilan, mais bon, comme on a des sous. Alors, est-ce qu'elle va bien se gratter cette fois-ci? Je pense qu'il faut que je commence. 10 euros, impeccable. Il faut que je commence au milieu. Ok, nickel. Et ça, je sais plus pourquoi c'est.
Je sais plus où je l'ai mis. Je pense que c'est bon pour mon livret A aussi. Alors 10 ce mois-ci. Et on grattera l'autre en semaine 4. Tiens, il y a un billet de 5 à récupérer aussi. Voilà. Tiens, les prénoms. Vu que dimanche, non, samedi, c'est bon. Je sais que on va payer 50 euros par personne pour l'initiation au tir sportif pour mon père. Il y a une piste qui est fermée. Donc, je vais utiliser la provision d'hiver où j'ai mis l'argent de la fête des pères. Donc, moi, j'aurais pas trop à dépenser. Tiens, j'ai mal effacé. Mais je vais quand même commencer à me remettre un peu de sous-sous. Donc, bon, on a de la piécette. Alors, on va se mettre 13. On va se faire mon M. Faut que je garde des sous pour colorier et mettre des strass. Surtout que Soleil, elle a sorti ses strass mandala sur son drive. Je les ai téléchargés direct. Ma Jojoy. Bon, ça va. Elle a encore ses sous. Je les ai même pas récupérés encore. Linda. C'est des grosses sommes, Linda. C'est des grosses sommes. Mais non, reste 20. Ah non, je peux pas. Ou alors, si, je vais tout mettre. Donc, on va mettre 10. Alors, toc. Et là, il y a 5. Non, on va mettre la bulle à... Non, mais si je me prends la bulle à... Allez, on va mettre 20. Soyons fous. Soyons fous. Ah oui, j'ai pas encore mis le prénom. La feignasse. Ah, j'ai pas corrigé. Donc, j'ai mis 20. Et Linda, budgétise, tu es gourmande, hein. C'est cher. C'est cher. 60. Hop. Bah, t'as un beau cadeau avec ça. Je vais laisser le prénom par-dessus. Et je vais essayer de me motiver à le faire après. Voilà. Parce que Linda, elle a quoi comme écriture? L'écriture dorée, je crois. Ouais. Et ça, c'est l'écriture que Sandrine m'a envoyée. Allez, on finit le défi des 5 euros. On a une liasse de plus. Bon, ma gomme, je savais très bien que je m'en rachète, là. Les Staedtler. J'ai vu surtout que les copines, elles ont dit que ça marchait bien. Et une liasse de plus. Donc, c'est ma deuxième. Donc... 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Et je vais prendre le trombone que Marion Budget m'avait envoyé avec sa commande. Oh. Voilà. Allez. Comme c'est joli. Et du coup, les défis, Lilias, regarde Agnès, j'ai mis ton petit seau ici. Hop, Lilias, je les ai mis avec dans ma boîte à défis en attente. Voilà. Il faut que je me mette un billet de 200 à la place. Parce qu'on en a 600. Tac. Et tac. Yes, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Alors, je n'ai toujours pas découpé mes trackers pour les mettre dedans. Alors, il nous reste quoi? Donc ça, je peux le faire à... Je peux le faire à... Tiens, ah oui, pour le concours, je voulais gratter la case. Parce que je vais avoir des teints. Moi, j'ai tout ce qu'il faut avec ma commande Timou, mes achats chez Action et tout ça. Et je vais me rembourser et je vais m'acheter des timbres aussi pour les envois. Je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Ce que je vous ai prévu. Donc 15 euros. Donc j'avais plus 5. Donc je vais mettre que 10 euros. Que 10 euros. Et on sera à 20 euros. Et je vais sortir la dernière carte. Non, normalement, il y en a une quatrième, mais j'arrive pas à l'imprimer. Elle m'a expliqué les règles. Donc Marjorie, elle m'a expliqué les règles. Mais j'arrive pas à... Alors déjà, je ne sais pas où est-ce que je l'ai rangé.
Non, c'est pas là. Non, c'est dans les défis en attente. Et il y en a une avec Timon. Enfin, je sais plus. Est-ce que je l'avais pas préparé? Non. C'est bizarre ça. Me connaissant. Normalement, je prépare les choses. Poussez-vous, vous. Petites choses. Alors. Là, c'est Pumba. La mince. Ce que j'en ai fait. Je crois que je l'avais préparé, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, non, bah, faut que je le rajoute. Attendez. Bien tenté, Pumba, ça c'est Agnès. Tout ça, c'est Blush. Ça, c'est Pam. Ça, c'est Pam. Ça, c'est Auré. Ça, c'est Auré. Ça, c'est Pam. On pense pas à Saline, Senatou. Mais il est où le Pumba, là? Ah oui, donc du coup, Timon, j'ai essayé de l'imprimer, mais j'arrive pas à le réimprimer en A6. J'avais réussi cela. Mais pas les autres. Mais je sais, je les avais pas mis là-dedans. Bon, je ne sais pas. Je le retrouverai. Et puis je le mettrai pour le bilan demain. Il faut que je le retrouve d'ici demain. Ah! Ah, on va gratter Natou parce qu'on sait pas, on sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Moi, je fais dans l'ordre. Hein. Je fais dans l'ordre. Alors, 7 euros. Parce que je vais avoir cette piécette. J'ai bien fait d'en récupérer partout. J'ai commenté sur une vidéo de Linda, de By Linda. De Linda. J'adore ton aspirateur. 1, 2, 3, 4. Bon, ah, attendez. Ah non, c'était 5. J'ai pas assez. Je peux pas. Je me suis fait. Et puis, hors de question, je récupère un billet de 5. Hors de question. Bah, Et il m'a combien? 10, 20, 30, 40, 50. Où est-ce que j'avais de la piécette? J'ai pas de pièce dans Pamela. Ah, non, si. Oui, mais j'ai pas sorti la carte. Et puis, c'est pas dit que ce soit une carte à 7 euros. Hein. Là-dedans, je voudrais me mettre 10. Attendez. Non, 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 non. Bon, bah, je peux point. Je ne peux point. Donc, on va mettre les 4 euros. Et on complétera. Je vais me noter que j'ai pas tout mis. Donc, il me manque moins 3. Moins 3. Donc, j'en suis à 4 euros plus 5, 9 euros. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, je l'ai fait au budget. Donc, dans celui-là, c'est mets-toi 10 euros pour te faire plaisir. Alors, je me mets 10 euros pour me faire plaisir. Et le bouquet de fleurs, j'ai pas commencé encore. On verra ça au bilan. Pareil, je raterai peut-être une deuxième copine budgéteuse. Par contre, j'avais dit que. Je vais remettre des pastilles pour oublier les montants et le refaire l'année prochaine. Alors là, c'était Fiona, donc c'est elle. Pour oublier les montants. Parce qu'après, je vais faire juste le je suis joie là. Pareil, c'est des petites sommes. Donc, soleil, hein, il me reste 20 et 20. Ben, j'ai envie de les gonfler. Et j'ai peur de gratter la case d'Agnès et de pas avoir de. Ben non, j'ai plus de. J'ai plus. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Hein. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Et puis, de toute façon. Ah oui, il y a des défis du mois aussi que j'ai pas du tout fait. Sinon, on va faire 10 dans soleil, 10 dans Madame Budget. Et 10 dans chacun des défis du mois. Oh, on verra ça au bilan. Oh, on verra ça au bilan. J'ai envie de coller des strass. Alors, on va coller pour 20 euros de strass. Parce qu'après, j'aimerais bien faire les mandalas. J'adore les mandalas.
Alors j'en ai, c'est vrai que je fais plus de coloriage. Allez, ma petite calculette. 20. Alors, déjà, on va se mettre des roses. Moins 5, moins 5. Donc, on va se mettre deux roses. Alors, un là et un là. Voilà. Ensuite, on va se mettre du vert. Non, du bleu. Moins 3, moins 3. Oui, comme je fais la symétrie. Ouais, non, il vaut mieux mettre du bleu. Ça manque de bleu, là. Et pareil de l'autre côté. C'est celle-là. Voilà. Il me reste 4 euros. Ben, on va mettre deux comme ça. Deux argentés. Et on va les mettre là. Hop. Pour qu'il y en ait. Oh, ben, ça se décolle. Retourne à ta place. On dirait que je parle à un de mes élèves. Va à ta place, s'il te plaît. Retourne à ta place. Non, la maîtresse, elle n'est pas disponible. Moins 2, moins 2. Donc là, c'est bon, j'ai mis pour 20 euros. Donc, on passe à 130 heures. Ça, c'est pour gonfler mon fonds de sécurité, donc livret A, hein, ou voyager, enfin, toutes les épargnes à très long terme. Donc, on le booste, on le booste, et je le montre. Waouh! Hey, franchement, j'ai quasiment fini. Je vais pouvoir attaquer un autre après. Poussez-vous. Le bazar. Le bazar, le bazar. Et on va colorier. Elle est où, Madame Budget? Allez, ah, non, Vanessa, c'est bon, je l'ai fait au budget. Madame Budget, Madame Budget. Elle est où, Madame Budget? C'est un M, là. J'en ai encore deux autres à faire après de Madame Budget. Alors, je voudrais que ça avance. Alors, donc pareil, on va mettre 20 euros. Donc, moins, il y a plein de 4. Alors, on prend le vert. Il y a un 5 là. Alors, on enlève on va faire. Ah oui, et puis il y a toutes les petites. On va faire 2, 5. Donc, déjà, on va faire la grande L. Coucou, normalement, vous voyez mes cheveux là. Hop, on va faire la grande L. Donc là, je fais une petite pause. J'ai pas fait de livraison du week-end. Et là, on est mercredi. J'en ai pas repris encore. J'étais un peu fatiguée. Alors, je me repose. Donc, moins 5. Et on va encore. Ici, c'est des 5, les petits machins là. Moins 5 égale 10. Et Auré, dans ta vidéo, t'as dit qu'il y avait plus de 3. Mais les antennes, c'est un 3. Hein. Donc, on va faire une antenne. Hein, moins 3. Et par contre, ah ben après, je vais t'embêter. Moins 3. Ah, je vais être grave embêté. Mais là, il remarque qu'il n'y a pas de numéro. Donc, je vais mettre la somme que je veux. Donc, hop. Comme ça, il n'y a plus de 3. Il va nous rester que des 4. Donc, moins 4 en vert. On va faire ici. Voilà. Normalement, j'ai décidé. Hein, si je prends des charpies ou des. Bilo, mais j'ai pas passé la commande Amazon encore. J'attends psychologiquement d'être en semaine 3 pour faire ma commande Amazon. Et il me reste 3 euros. Et 3 euros, c'est noir, mais je vais mettre du vert parce que ici, en fait, là, il n'y a pas de chiffre. Alors je mets ce que je veux. Donc 3 euros. Moins 3. Et on aura mis 20 euros. Donc on passe à 130. Dans celui-là. Voilà. Je suis contente. Je regardais gratter une case de Céline du jeu là. Trop bien. Donc pas oublier au bilan. De toute façon, moi je le fais demain. Je fais le mercredi ce mois-ci. Du mercredi au mercredi. Là-dedans, c'est bon. Il n'y a plus de sous. J'aurai plus que mes virements à faire quand le virement Shopopop sera tombé. Le virement Poupéo n'est toujours pas tombé. Mais mon 10 mi-juin. Poupéo, ils ne sont pas pressés.
Par contre, le virement hyper, ça a été hyper vite, justement, hyper shopper. Ça a été hyper vite. Et j'attends le virement, le bon coin. Je me suis, bon, je me suis, j'ai reçu tous les sous sur ma cagnotte bon coin. Des livres et du jeu de société que j'avais vendu au week-end. Il y avait l'offre, là. L'offre à 99 centimes. Mais je perds des strass de partout. Et du coup, là, je les ai décagnotés. J'attends que ça arrive sur mon compte pour me faire mes petits virements. Mais j'ai tout noté là. Ben non, vous voyez pas. J'ai tout noté là. Pour pas me perdre. Donc voilà les budgétaires et les budgéteuses. La petite vidéo bonus qui a quand même duré 40 minutes. Donc on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée parce que je vais la publier demain, mercredi à 16h, comme je fais d'habitude. Moi, je suis très régulière dans mes vidéos, c'est pour l'algorithme YouTube. Il aime bien. Donc voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche pour le bilan de la semaine 2 du mois de juin. Bisous, bisous les budgéteurs et les budgéteuses.